Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous donner des recettes. Donc je sais que vous attendez que ça parce que vous faites que de me dire sur Instagram. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais vous donner 4 petits déj healthy, protéinés. Donc il y en a pour tous les goûts normalement. Je vais vous donner genre des ajustements si jamais vous n'avez pas un ingrédient, tout ça. Donc normalement il y en a pour tout le monde. Et je vous laisse directement avec la vidéo. Alors on commence directement avec la première recette. Alors si vous avez vu cette banane et que vous n'aimez pas la banane, ne vous inquiétez pas, ne fuyez pas. Parce que vous pouvez remplacer la banane par de la compote. Et la compote ça se sent quasiment pas dans le gâteau. C'est vraiment là pour remplacer le beurre en fait. Donc ensuite, vous rajoutez un petit œuf. Dans tous les cas, je ne vais pas vous donner exactement les proportions puisque à la fin de la vidéo, j'ai fait un petit résumé avec tous les grammages, etc. Donc vous rajoutez ensuite de la protéine en poudre. Donc ça, pareil, si vous n'en avez pas, on peut aussi remplacer par de la farine, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous rajoutez aussi la farine, la levure, une pincée de sel. Ensuite, pour le sucre, vous pouvez faire vraiment ce que vous avez envie. Donc moi, je mets du sucralose, mais vous pouvez par exemple mettre du vrai sucre, du stevia, du miel, du sirop d'agave, bref, vraiment ce que vous voulez. Ensuite, j'ai rajouté une bonne grosse cuillère de cacao 100%, mais ça, c'est pareil, c'est parce que j'avais envie, j'adore quand c'est bien chocolaté. Et ensuite, on rajoute la pâte dans le moule, puis on enfourne pour environ 10-15 minutes. Alors là, j'ai aussi rajouté une cuillère de pâte à tartiner parce que vous connaissez ma passion pour le chocolat. Donc ça, pareil, c'est pas forcément obligatoire, mais moi, je trouve que ça rajoute un petit peu de coulant, quoi. Comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Franchement, ça donne envie, quoi. Alors c'est parti pour la dégustation. Franchement, ça a l'air, mais genre, excellent, vraiment. Oh my god. Non, les amis, là, c'est genre vraiment très très bon. C'est genre excellent. Comme vous l'avez compris, cette recette est 100% validée. Moi, je me suis dit qu'on allait mettre des petites notes aux recettes pour genre que vous trouviez celle qu'il vous faut. Donc, je lui mets 6 sur 10 pour la rapidité parce que quand même, faut écraser la banane, faut la mettre au four. Après, vous pouvez toujours le faire au micro-ondes. Je l'ai mis dans le résumé à la fin, de toute manière. Et pour le goût, je mets quand même un 9 sur 10 parce que c'est excellent, mais pas 10 sur 10 parce que ça, c'est réservé à mon bol cake. On part directement sur la deuxième recette. Vous allez voir, celle-ci, elle est 10 fois plus simple. Vous pouvez vraiment vous la faire tous les matins sans problème. Vous prenez votre produit laitier préféré. Moi, je prends des petits suisses 0% mélangés avec du fromage blanc 0% aussi. Je trouve que c'est le combo parfait pour avoir une bonne texture. Bref, j'adore. Vous rajoutez un petit fruit. Donc moi, j'ai pris un brugnon parce que c'est la saison et c'est super bon. Vous le coupez en petits morceaux, puis vous rajoutez des céréales. Moi, c'est du muesli protéiné de la marque de Sissimua avec des petites pépites de chocolat. C'est super bon. Ensuite, vous pouvez rajouter des petits toppings comme vous avez envie. Moi, j'ai mis une cuillère de beurre de cacahuète et un petit peu de chocolat sundae. Là, c'est trop bon. Et c'est déjà fini. Vous n'avez plus qu'à le déguster. Regardez comme ça a l'air bon. On va partir sur une petite dégustation. Je vais vous dire si c'est bon. Ok, c'est quand même vraiment très bon. Bon, en même temps, là, c'était pas trop risqué. Comme vous l'avez compris, c'est très bon et c'est surtout très simple à faire, donc vous pouvez vraiment le faire tous les matins sans problème. Alors c'est parti pour la note. Pour la rapidité, je mets un grand 10 sur 10 et pour le goût, 8 sur 10. C'est parti pour la troisième recette. Alors ceux qui disent « je ne sais jamais quoi faire avec les flocons d'avoine », accrochez-vous parce que ça c'est la recette faite pour vous. Donc dans un premier temps, tu mélanges les flocons d'avoine avec de l'eau, puis tu le mets au micro-ondes. Une fois que ça a bien cuit au micro-ondes, tu mélanges ça. Donc normalement, ça fait une pâte un peu épaisse comme ça. Ça donne pas très envie, c'est normal. Là, tu rajoutes ta protéine en poudre. Si jamais t'en as pas, tu peux rajouter des blancs d'œufs ou sinon tu rajoutes rien du tout. J'ai aussi mis une cuillère de cacao 100% parce que moi j'adore quand c'est bien chocolaté. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est parce que moi j'adore ça. Ensuite, vous rajoutez un petit peu de lait pour que la pâte soit plus liquide. Donc vous inquiétez pas, j'ai mis toutes les proportions à la fin. Vous versez ça dans un bol ou vous le laissez dans le même bol, mais ça sera moins beau. Et vous le mettez au frigo.
Essayez de le laisser au minimum 4 heures, mais si vous le laissez toute la nuit, c'est encore mieux. Une fois que c'est prêt, vous pouvez le manger comme ça ou vous pouvez rajouter des petits toppings comme moi. J'ai rajouté du fromage blanc, de la banane et du céréal pour ajouter un petit peu de croquant. Mais bien sûr, ça c'est comme d'habitude, vous mettez vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez, etc. Donc franchement, je trouve que de visuel, ça donne plutôt envie. C'est parti pour une petite dégustation. Franchement, c'est très bon. Pas aussi gourmand que les pépitos ou le petit gâteau au four. Mais franchement, pour le petit déj, c'est archi rafraîchissant et tout. Alors moi, je n'ai jamais été une grande fan de porridge. Donc je ne pourrais pas mettre la meilleure note au porridge. Donc au niveau de la rapidité, je vais mettre 8 sur 10. Parce que vous pouvez vraiment tout préparer la veille. Donc c'est super pratique. Et pour le goût, je mets 7 sur 10. Et c'est parti pour la quatrième recette. Donc celle-ci, je pense qu'elle va vraiment vous plaire. C'est des pépitos, mais revisités en mode un petit peu healthy. Donc la recette est à la fin, comme d'hab. Mais en gros, il y a de la farine. Donc vous pouvez mettre de la farine d'avoine, ou des flocons d'avoine mixés, des œufs, du lait, des petites pépites de chocolat. Bref, je vous ai tout mis à la fin. Donc une fois que vous avez bien mélangé tous les ingrédients, vous le versez dans un moule. Donc moi là j'ai des moules à petit cake, mais si jamais vous n'avez pas, vous mettez dans un grand moule. Et il faut juste le faire cuire plus longtemps. Bon les amis, l'heure est grave, il s'est passé quelque chose de très grave dans le four. Donc voilà comment je me suis retrouvée à avoir 6 pépitos en un. Bébé, pousse-toi, tu gênes. Ça a l'air fort bon. Très savoureux. Alors pour le petit déj, les pépitos, j'ai pris du fromage blanc avec les pépitos. Après, vous pouvez aussi mettre des protéines dans le pépito et prendre que des pépitos. Vous pouvez soit le faire réchauffer au micro-ondes, parce que genre le chocolat est fondant et tout, c'est plutôt bon. Ce qu'il a fait mon copain. Soit bah pas le faire réchauffer. Des petits trucs dans le fromage blanc et je trouve ça trop bon. Comme vous l'aurez compris, cette recette est plus que validée, c'est trop trop bon. Donc pour le goût, je mets un 9 sur 10 et pour la rapidité, je vais mettre un 7 sur 10 parce qu'encore une fois, il faut utiliser le four. J'espère que les recettes vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça me fait plaisir, c'est bon pour le référencement et je vous dis à très vite.